Il faut savoir qu'il là, il porte une FP Journe, ça vaut 80 000 balles. Là, il l'a tapé sur la bleute, il a pas kiffé, donc il la retire en scred. Il retire la trompe et il va la donner à un Babs en scred, tu vois. Il la pose en scred et là, il a plus de montre. Il s'est dit, c'est peut-être pas terrible d'avoir une montre à 80 000 devant des cendres. Salut les amis, suivez-moi pour les actualités. Dans cette chaîne, on va parler sur tous les actus de vos stars préférés. Alors n'hésitez pas de liker, abonner dans ma chaîne. Grosse force à vous les gars. Bouba ridiculise Emmanuel Macron avec sa montre de luxe non assumée. Toujours à l'affût de l'actualité du moment, le DUC l'a se moqué d'Emmanuel Macron après avoir caché discrètement sa montre de luxe pendant une interview. La séquence a fait le buzz sur la toile et a bien amusé le DUC, qui n'a pas raté l'opportunité de se moquer du président. En direct sur TF1 et France 2, Macron a pris la parole ce jeudi pour tenter d'apaiser la colère du peuple, mais son discours n'a pas vraiment convaincu. Et l'un de ses gestes a particulièrement retenu l'attention des internautes. Pendant les questions des journalistes, le président a enlevé la montre à son poignet en cachette, ce qui a attiré beaucoup de polémiques sur ce geste et cette montre de luxe de 80 000 euros. Bouba l'a posté sur Twitter, la séquence du président dans laquelle il a caché sa montre de 80 000 euros. Et il a écrit au-dessus « Une enquête vroom ». Alors qu'est-ce que vous pensez les amis? Dis-moi dans les commentaires et n'hésitez pas de liker et abonner dans ma chaîne. Grosse force à vous l'équipe.